Salut amis de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Assassin's Creed Mirage. Dans cette vidéo, Passim va enfin découvrir la vérité. Nous allons tout savoir sur ce que l'on ne voit pas. Je vous souhaite de bon visionnage. Moi je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Tout va bien. Ton maître t'a confié à moi. Notre temple, quoi qu'il y ait en dessous, je dois le voir de mes yeux, et quel qu'en soit le prix. Tout ce sang et ces morts, est-ce cela qu'entendait Kabiha par préparer le chemin? Nihal, où que tu sois, prends soin de toi. Yaylay. Pas moyen de passer. Sauf peut-être en haut. Certains sont toujours en vie, notamment Mentor Rayhan. Qu'est-ce que c'était ça? C'est plus nécessaire. Vous entendez? Votre Mentor! À vos armes! Voilà de la visite! Hé! Je ne suis pas un problème! Thank you.
Il faut que j'aille plus vite. Il ne mérite pas la mort. Une chose m'étonnera toujours chez vous. C'est qui les meurtres qui ont fait votre renommée? Pourquoi portez-vous des tenues blanches? Et à quoi bon gaspiller ma salive après tout? Face à un homme qui quel qu'en soit le prix et le sang qui lui salit les mains. Où est le sang? Je ne peux plus respirer. Bassim, comment? Alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que... Je n'en vois pas d'autre. Viens, aide-moi à me détacher. Bassim, je te croyais à Bagdad. Où sont les autres? Roshan! Je suis venu seul, pour la même raison que ces hommes. Je sais la vérité, Mentor. À propos du temple et de ce qu'il abrite, nos ennemis m'en ont parlé. M'ont poussé à le chercher. Car moi seul en suis capable. Toi? C'est pour ça que l'Ordre a employé les Tahrides afin de faire tomber Alamut. Parce que toi, tu es sa clé. La clé de quoi? Que protégez-vous qui justifie un tel bain de sang? Un lieu ancien. Et depuis des générations, notre devoir est de veiller sur lui. Le protéger de l'Ordre, qui veut en exploiter les secrets. Le temple en abrite l'entrée, mais Bassim, bien que ce soit interdit, j'ai cherché. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Alors je trouverai un moyen moi-même. Tu ne le dois pas. C'est ce que désire l'Ordre, comprends-tu? Si ce que nous protégeons tombe en de mauvaises mains... Cela tombera dans les miennes. Regardez autour de vous, ce que l'Ordre est prêt à lâcher sur nous. Si je parviens à acquérir le savoir qu'il convoite, cela nous donnera peut-être l'avantage dans cette guerre sans fin. C'est le chemin à suivre et aucun autre, pour ceux qu'on ne voit pas. Prête-moi ton regard. Le temple. Il est temps d'enfiler. Rien ni personne ne se dressera sur ma route. Plus maintenant. Alors que je suis si près. Ce ne sont pas des hommes comme vous qui m'arrêteraient. Il y en a d'autres devant. Je suis donc sur la bonne voie. On ne devrait pas être ici. Nos ordres étaient de tenir l'entrée du temple, pas de... Pas d'y entrer, je sais. Je me moque des ordres. Tu as vu ce qu'il nous en a coûté d'arriver jusqu'ici? Tous ces hommes morts.
Crois-tu qu'on aura droit à quelque chose lorsque nos maîtres auront trouvé ce qu'ils cherchent? Il y aura une récompense, peut-être? Bien sûr que non. Quoi qu'ils puissent chercher ici, et je ne tiens pas à le savoir. En tout cas, cela doit valoir une fortune. Alors pense à toutes les terres que tu pourrais acheter, et les serviteurs. Vous allez vous taire, oui? Vous feriez mieux de chercher, plutôt. On aura tous les idées plus claires dès que vous cesserez de cacter. Quoi? C'était quoi, ça? Il y a un problème. On sera prêt. Cette ville. Qu'il cessait. Hey! Quelqu'un s'est libéré! Mais comment? Je vais aller demander de l'aide! Venez! Je vais récolter ce que vous avez semé. Venez! Je vais récolter ce que vous avez semé. Le temple. Il est temps d'en finir. Rien ni personne ne se dressera sur ma route. Plus maintenant. Alors que je suis si près. Ce ne sont pas des hommes comme vous qui m'arrêteraient. Il y en a d'autres devant. Je suis donc sur la bonne voie. On ne devrait pas être ici. Nos ordres étaient de tenir l'entrée du temple. Hé, hey, toi ! A dit entrée, je sais. Je me moque des ordres. Tu as dit. Quelqu'un s'est libéré ! Mais comment ? Tuez-le ! Venez ! Je vais détriper. Venez, je vais récolter ce que vous avez semé. Je demande de l'aide! Quand je t'attrouve, je te cherche! Oh, allez, ouais. Va! Hey, qu'est-ce qui se passe?
Reste à voir si je peux réussir, là où ces intrus ont échoué. Sous les murs de son temple, a dit Kabeha. Sous les murs de son temple. Par où commencer? Quelle est cette magie? Un instant. J'avais dit ce qui arriverait. Dernière chance. Très bien. Alors nous en sommes là. À nous entretuer. C'est ainsi. Moi et confrérie. La confrérie est un tout. Il n'y a pas de place pour les faibles. Ceux qui se croient au-dessus d'elle. Et tu penses que c'est là mon intention? Réveille-toi, Basim. Tu marches sur la voie de l'ordre. Les monstres que tu as juré de combattre. C'est leur mission que tu mènes pour eux. En mettant en danger ceux qui ont pris le serment de défendre. Le libre. J'avais confiance en toi. Je t'ai tout offert et tu m'as menti. Tu savais. La nuit où nous avons fui Yanbar, tu savais déjà la vérité. Je craignais seulement ce qu'elle pouvait augurer. Mais j'ai repoussé mes inquiétudes, et le fallait. Tu n'étais qu'un jeune homme, seul et brisé, cherchant désespérément un guide, désireux de faire le bien. Le désir est toujours là. Laisse-la. Viens. Je n'ai jamais souhaité cela. Mais il faut que je sache. Je ne veux pas te perdre au profit de ce que tu trouveras là-bas. Tu n'as pas besoin de regarder vers le passé pour savoir qui tu es, qui tu peux devenir. Le choix t'appartient, Basim. Aie foi en moi. J'ai essayé. Mais au bout du compte, il t'a semblé préférable de me contrôler. Tu es comme nos ennemis. Basim, par ici. Je sais ce que c'est. La clé. Mmh.
Elle va nous suivre. Non. Elle ne peut pas. Tu as bien vu. Encore ces objets. Je me demande quelle vérité ils recèlent. Quelles histoires ils peuvent raconter. Ce qui se trouve ici doit être très important. Pour ceux qu'on ne voit pas. Pour l'ordre des anciens. Et pour moi, quel est cet endroit? Où ma route m'a-t-elle mené? Mieux vaut ne pas savoir pourquoi quiconque est arrivé ici. Messieurs, me jouent-ils des tours? Est-ce que tu vois ça? Nihal? Oui. Je suis là. Où que nous soyons, cet endroit est ancien. Mais je ne sais pas à quoi il peut servir. Moi si. Mais comment? Je n'en sais rien. Nihal, je m'inquiète pour toi. Nihal, regarde là. Montre-toi! Tu oses te cacher de moi maintenant? Après tout ce que tu m'as fait subir! Où es-tu? Le djinn de mes rêves. Personnage de ses visions. Ils ne font qu'un. Est-ce ce que j'ai vu? Les souvenirs d'une vie lointaine m'appartiennent-ils?
Est-ce pour cela que le djinn semble aussi réel? Mon persécuteur, l'origine de toutes mes souffrances. Si c'est le cas, je dois t'affronter. Non. Pourquoi est-ce que je vois ça? Cet endroit, tandis que je m'y déplace, je ne vois que les souvenirs qui agitent mon âme. C'est dans ces moments d'adversité que le djinn est le plus présent. Cette peur incessante qui me paralyse d'une terrible faiblesse. Je n'ai jamais compris la raison de ces apparitions, ni pourquoi ils me hantaient ainsi. Mais les souvenirs commencent à revenir. Une cellule glaciale. Et je supplie pour que cela s'arrête. Celui que j'ai été chercherait à se venger. Mais si je parviens à dépasser cette douleur, alors tout ce que je veux, c'est la paix. Le moment est venu d'y mettre fin. La cellule. Ma cellule. J'y suis presque. Pas de retour en arrière. Le djinn. Je l'entends. Je connais à présent. Te vois tel que tu es. Un souvenir écrasant d'une vie passée. Et c'est là que tu resteras. Non, Bastien. Ce n'est que le début. Pour nous. Pour ce qui nous attend. Une meilleure compréhension du monde que nous avons laissé. Et de notre place. Toute ma vie, j'ai lutté contre qui j'étais. Qui je devais être. Et tu étais là. Tout ce temps. Cette partie de moi refoulée. Un reflet de ce que nous avons été. De qui nous serons encore. Tant de choses nous attendent.
Un monde nouveau. Laisse-moi te montrer. Je ne te verrai jamais plus, n'est-ce pas ? Je vais être seul. Tu n'es jamais seul. C'est terminé. Tu as fait ton choix. À moi désormais de faire le mien. Wadahan, Roshan bint Lahad. Ce fut un honneur. Approche, Basim. Nous avons à parler. En effet, Mator. Le souvenir que j'ai enfoui de cet endroit, de cette prison, des supplices que j'y ai endurés, il s'est gangréné des années, dans l'obscurité et les rêves, sous l'apparence d'un djinn qui me hantait, me tourmentait, jusqu'à en dévorer mes heures d'éveil. Mais j'ai affronté mon passé, ma souffrance, je l'ai accueilli, j'ai mué, changé de peau, jadis, et ailleurs. Mais je suis de nouveau entier. Je m'en souviens. Quant à ceux qui désiraient m'asservir, s'il en est encore qui hantent cette terre, j'ai hâte de les retrouver. Mais d'ici là, un nouveau monde s'ouvre à moi. Nous voici à la fin de cette série sur Assassin's Creed Mirage qui aura été un bon moment pour moi, vraiment. J'espère que ça aura été de même pour vous,
que de retournements. Vraiment une histoire très sympa. Je vous laisse le générique de fin jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de mettre un commentaire si vous le désirez, cela fait extrêmement plaisir, ça soutient, c'est toujours sympa de voir des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus!
maintenant.